Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Opéra dans ton salon, une initiative de l'Opéra de Rennes. Je m'appelle Éléonore Lelamère et je suis spécialiste de la voix. Souvenez-vous, vous pouvez réagir à n'importe quel moment par des commentaires et même après sur nos réseaux sociaux. Nous nous retrouvons comme chaque mardi à 18h pour des explorations vocales et cette semaine nous aborderons un peu de corporel, un peu de respiration, de la rythmique, des exercices de son et évidemment la phrase de confinement de la semaine. Pour la culture vocale in vitro, je vais aborder la notion de respiration du chanteur dont on entend souvent parler. Nous terminerons avec l'interview de Jean Lacornerie, metteur en scène qui viendra à l'Opéra de Rennes sur la saison 2020-2021. Petit flash de sécurité, soyez à l'écoute de votre corps, faites toujours attention à vous, à ne jamais forcer sur votre voix ou votre corps, et si vous avez une sensation de gêne, n'hésitez pas à aménager l'exercice. Commençons avec le corps. Alors on va commencer par se frotter les jambes, les cuisses, le ventre, le dos, les bras, on va aller aussi se frotter le cou, on va aller masser un tout petit peu le haut de la nuque, les cervicales donc, on va redescendre au niveau du haut du bouclier, des épaules. Vous n'oubliez pas de respirer. Vous pouvez bâter. Et puis, on va faire un petit tour au niveau du visage. On va continuer en s'étirant dans tous les sens. On profite pour étirer les petits muscles intercostaux. S'étirer vers l'avant et vers l'arrière. Je reviens sur l'exercice de Marie-Adeline Henry, notre invitée de l'épisode 3, qui nous a fait un petit point sur la mâchoire et pour étirer aussi des petits muscles au niveau des mandibules. Vous mettez les bras le long de la cage thoracique, vous mettez les mains au niveau du menton, vous êtes bien droit. Et on va aller s'étirer au niveau de la colonne vertébrale. Vous pensez que vous avez un fil très grand au-dessus de la tête. Et on va étirer non pas la mâchoire vers le bas, mais le reste vers le haut. Et on revient. En fait, on libère les tensions du masséter qui est... le muscle de la mâchoire le plus puissant qu'on ait. Bon, il ne faut pas le faire trop non plus parce qu'on peut se faire mal, hein, mais quelque part ça va nous permettre d'avoir les temporaux mandibulaires plus détendus. Nous allons faire un petit ensemble d'exercices pour faire redescendre la respiration, hein, comme les respirations qui sont utilisées dans les pratiques de bien-être. Alors vous allez mettre d'abord une main au niveau du nombril et l'autre au niveau des côtes. Vous pouvez mettre la main dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, ce qui est le plus pratique pour vous. Et pour l'instant, vous allez juste observer votre respiration. Qu'est-ce qui se passe quand je respire, quand j'inspire et quand j'expire? On observe quand même que le ventre se gonfle et se dégonfle. Alors vous allez souffler votre air. Et puis vous allez laisser l'air rentrer. Encore. Vous laissez l'air rentrer. En fait, quand on fait un geste surengagé, eh bien, on va créer des tensions. Donc c'est pour ça que ce genre d'exercice, c'est important pour tout faire redescendre, pour se mettre en condition, pour pouvoir vraiment chanter sans se faire mal. On va passer à un autre exercice qui travaille sur les différentes longueurs de phrases. L'inspire est toujours sur 4, l'expire à chaque fois, je vais vous indiquer
juste avant, sur combien de temps on souffle. Inspire sur 4, 2, 3, sur 3. Inspire. Sur 2, on va faire. Inspire. 2, 3, 4, sur 8. Inspire. 3, 4, sur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, l'exercice n'est pas facile, mais petit à petit, en augmentant cette durée d'expiration, eh bien, quand on chante, on peut avoir des phrases longues. On arrive au dernier exercice de souffle. Je vous présente mon double qui sera là pour faire l'exercice en même temps que vous. On va avoir à chaque fois sur une carrure de 4 temps. À vous. Ok, bon, alors il y a des moments où ça s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave, c'est des exercices, ça vient avec le temps, ça nous permet un tout petit peu de tonifier le souffle et en même temps de travailler déjà la mémorisation, la concentration, la disponibilité, bref, c'est un exercice un peu complet sur le souffle. Maintenant, nous allons passer à l'exercice du hamster. Donc, vous allez joindre les dents du haut et les dents du bas. Puis vous allez gonfler les joues et vous allez créer de l'espace à l'intérieur en séparant les dents sans pour autant perdre ce côté joufflu du hamster. Donc petit à petit, après on va mettre une petite embouchure pour pouvoir laisser passer de l'air et du son. Donc on serre les dents. On est magnifique. C'est parti. L'exercice suivant est sur mots. On va créer plus de m pour amener une résonance qui va être presque proche du nez. Et puis on va ouvrir sur un o, une voyelle fermée. Puis on ouvrira après sur un ma, de façon à mettre en place l'espace résonantiel. Et puis aussi travailler sur des mouvements mélodiques descendants.
Alors, vous avez peut-être senti que ça pouvait vibrer un tout petit peu au niveau du haut du palais, n'est-ce pas? Oui. Bon, eh bien, du coup, on va passer à un autre exercice qui est Scooby-Doo-Bidou. On va lancer un tout petit peu les voix, on va un petit peu jouer avec cette mélodie-là. Et donc ça nous donne Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. Après le confinement, je n'irai plus courir. Pour moi, c'était maintenant, ça me permettait de sortir. La semaine dernière, nous avons reçu une question sur la respiration. Alors, respirer, on le fait tous les jours. Heureusement, notre corps a besoin d'oxygène pour vivre. Chez l'adulte, par exemple, la ventilation représente environ 20 000 litres d'air inspiré et expiré chaque jour. En respiration au repos, sans parler, nous consommons en moyenne un demi-litre d'air. Quand un adulte parle, il utilise environ 1,5 à 2 litres d'air. On peut aller jusqu'à 4 litres quand on chante. Alors, la respiration, comment ça marche ? L'air entre soit par les narines, soit par la bouche, puis il va passer au niveau du pharynx, du larynx, la trachée, et au bout, il y a deux petites bronches qui vont déboucher sur le poumon droit et sur le poumon gauche. Les poumons, ils sont constitués d'un tissu très élastique et spongieux qui va représenter une surface qui peut atteindre les 200 mètres carrés. Bon, en gros, les poumons, ce sont deux grosses éponges. Quand l'air arrive, ça va faire comme une éponge au contact de l'eau. Nos poumons, ils sont rattachés à la cage thoracique, dont ils sont solidaires, et donc ils suivent leur mouvement. Pour que les poumons puissent prendre leur place avec de l'air, nous avons besoin de muscles respirateurs. À l'inspire, c'est le diaphragme qui travaille. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un muscle qui est en forme de voûte, avec deux coupoles, la droite étant un peu plus haute que la gauche pour laisser de la place à notre cœur.
Il est situé sous notre cage thoracique, mais il fait la séparation entre le thorax et l'abdomen. Il est fixé aux côtes, à la colonne vertébrale et aussi au sternum. Et quand il se contracte, il va s'abaisser et s'avancer à la fois. Il va faire pression sur les viscères abdominaux qui vont servir alors de point d'appui et ça va augmenter le volume du thorax, provoquant ainsi l'arrivée de l'air dans les poumons. D'autres muscles interviennent également dans l'inspiration, comme les scalènes qui sont situés ici et ils sont tendus entre les vertèbres cervicales et les deux premières côtes qui vont permettre l'élévation du thorax. Les muscles intercostaux qui sont donc entre les côtes, eux vont permettre d'élargir la cage thoracique et ça peut sans doute nous aider aussi à éviter un forçage vocal. Pour tout le bon fonctionnement, nous avons besoin de laisser cette zone-là disponible, tranquille et ouverte pour que quand nous chantons, nous perturbions le moins possible la zone laryngée. Et c'est pour cette raison que la respiration haute, eh ben, c'est bof bof. Et puis il y a des muscles expirateurs. Les muscles expirateurs, ce sont des muscles surtout abdominaux. On a les grands obliques qui vont des côtes jusqu'au bassin et de l'arrière vers l'avant. On a aussi deux grands droits qui sont rattachés aux côtes, mais ceux-là, en chant, on ne les aime pas trop parce qu'ils peuvent faire un appui sternal et donc tirer sur le larynx. Nous avons aussi les petits obliques et les transverses. Tous ces muscles ont des actions antagonistes, c'est-à-dire qu'elles sont contraires au mouvement du diaphragme. De fait, ça va nous permettre d'avoir une base de ce qu'on appelle le soutien. Ça va permettre de réguler le débit du souffle phonatoire et donc la pression sous-glottique. Quand on a une surpression sous la glotte, c'est le larynx qui va prendre en charge la suite et donc on va sans doute créer un petit forçage et ça, c'est pas très bon. Pour travailler la respiration, eh bien, il y a des petits exercices qui font du bien comme observer le mouvement du ventre avec la main dessus ou souffler sur des longues durées avec des S. On peut aussi travailler sur des mouvements un petit peu rapides comme les exercices que nous avons fait tout à l'heure. Enfin, la posture est un élément clé pour une bonne respiration. Mais surtout, c'est en s'entraînant régulièrement que nous allons pouvoir améliorer la gestion et la capacité de notre souffle ainsi que la qualité de notre son. Bonjour Jean Lacornerie, bienvenue dans l'interview de l'Opéra dans ton salon. Comment vas-tu ? J'attends un peu de pouvoir sortir, mais pour l'instant ça va. Tu es metteur en scène, tu es venu l'année dernière sur Pajama Game à l'Opéra de Rennes. Quel a été ton premier contact avec l'Opéra ? J'avais un professeur de musique génial au lycée qui m'a fait découvrir le chant lyrique, voilà. Et donc, du coup, nous avait emmené à l'opéra. Je ne me souviens plus très bien ce que c'était, par contre, quel ouvrage c'était. Et comme je savais que je ne serais pas musicien, ce qui m'a intéressé peut-être, c'est effectivement d'essayer de faire que le spectacle puisse avoir lieu et y participer sans être musicien. Quel est ton job, en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Avec qui tu interagis quand tu travailles à l'opéra ? Le travail de metteur en scène, ça consiste effectivement plutôt à faire travailler les autres, en fait. C'est-à-dire organiser avec toute une équipe, et à l'opéra, c'est très important d'avoir une équipe de collaborateurs, collaboratrices qui comprennent ce qu'on cherche à faire, parce qu'effectivement, il y a souvent un décorateur, un costumier, un éclairagiste, un chorégraphe. Est-ce qu'il y a une différence entre mettre en scène du théâtre et mettre en scène de l'opéra ou de la musique ? Oui, alors il y a une différence essentielle que tous les metteurs en scène de théâtre pourront expliquer, c'est que à l'opéra, il y a un compositeur qui a déjà écrit une partition, c'est-à-dire qui a organisé le temps. Donc il faut que je rentre en fait dans le temps qui est prévu par le compositeur. Donc ça c'est très très, c'est la grande différence. Sans doute que l'autre différence, c'est que même si maintenant les choses ont beaucoup changé et que les chanteurs sont aussi des acteurs, donc ils ont un imaginaire de jeu, le corps d'un chanteur est mobilisé par autre chose que le jeu aussi, et que donc il faut faire avec ça aussi, voilà. Mais alors il y a aussi une chose que j'aime beaucoup à l'opéra, moi, c'est justement, c'est que comme c'est chanté, c'est pas réaliste.
rien de plus absurde que se mettre à chanter. Voilà. Donc là, du coup, on s'affranchit d'une espèce de truc qui, moi, m'exaspère, c'est cette espèce de naturalisme un peu bêta du jeu qu'on a souvent au théâtre. Voilà. Donc là, on est obligé, forcément, on est dans une chose tellement folle, finalement, qu'il faut aller ailleurs que dans le réalisme. Chanter à l'opéra, c'est pas forcément chanter en français. Et moi, je pense que la langue fait partie de la musique et que traduit, on perd quelque chose de la musique. Et avec le système maintenant des surtitrages, on comprend très bien ce qui se passe et c'est bien de garder la langue. Même quelquefois, il vaut mieux pas comprendre ce qui se dit. Donc, c'est parfois mieux. Et imaginez. Avant de travailler au plateau, est-ce qu'il y a une sorte d'exercice que tu as l'habitude de faire? J'aime bien arriver tôt et j'aime bien quand le théâtre est vide. J'aime bien, finalement, ça m'aide à me concentrer, qu'il n'y ait personne, voilà, pendant un petit moment. Et c'est ce qui me permet d'entrer dans ce moment. Le moment de la répétition, c'est toujours un moment difficile parce qu'en fait, on se demande si on va y arriver. En fait, on sait qu'on a du temps devant soi, mais on n'en a pas tant que ça. Donc, il faut qu'à la fin de la répétition, on ait réussi à monter quelque chose. Et on ne sait pas toujours si on va y arriver. Donc, il y a un petit moment d'appréhension. Il y a une sorte de trac, en fait. Donc, on fait aussi des exercices de diction et d'articulation. Voilà. Donc, moi, je ne le fais pas, mais je vois les acteurs, quelquefois, s'entraîner, essayer de... Et je me souviens d'une actrice que j'admire beaucoup qui s'appelle Anne Benoît, qui systématiquement disait tout son texte, une pièce qui souvent était un peu longue, avec un crayon dans la bouche. Elle faisait ça avant de jouer. Et évidemment, du coup, je sais pas, le mémoire de cette articulation, cette difficulté à prononcer les mots avec un crayon entre les dents, faisait qu'évidemment, son articulation était très nette le soir de la représentation. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Il faut dire son texte du mieux qu'on peut, pas trop lentement, parce que après, il faudra bien parler vite, mais il faut tout entendre. Au niveau de l'articulation, quand même, faut le travailler, hein. J'ai une dernière question pour toi, Jean. Tu viens l'année prochaine à l'Opéra de Rennes. Tu viens mettre en scène une œuvre. Est-ce que tu peux nous donner un indice sur cette œuvre sans nous en dire trop? Oui, c'est une œuvre où on célèbre le champagne. Eh bien, pour les internautes qui nous suivent, si vous trouvez le nom de cette œuvre, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou à nous envoyer vos réponses. Merci beaucoup, Jean, pour ta venue et ta disponibilité sur cette interview. Et puis, ce sera avec plaisir que nous te reverrons à l'Opéra l'année prochaine. Donc voilà, si jamais tu as un petit mot de fin. Je dois dire que la préparation de ce spectacle que je vais faire la saison prochaine à l'Opéra de Rennes et ma planche de salut en ce moment. Imaginez qu'on va pouvoir se retrouver à un moment pour faire un spectacle, ça fait quand même du bien. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce 4e épisode. N'hésitez pas à poser vos questions et à nous soumettre vos envies pour la rubrique Culture vocale in vitro. Vous pouvez également nous envoyer les questions que vous souhaiteriez poser à nos invités. Et si vous avez trouvé pour quel opéra notre invité viendra à la saison prochaine, n'hésitez pas à nous poser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. Bye! Sends thanks to Warden, our defender.